Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Drekolo. On est avec Chobiti et Brodaf. Salut tous les deux. Salut. Salut. Et du coup, on recommence. Alors, sachant que la dernière fois, j'ai fait un misclick avec mon raccourci pour couper l'enregistrement et j'ai fermé le jeu au lieu de fermer l'enregistrement, ce qui fait qu'on a perdu une partie de notre dernière progression. En gros, deux îles qu'on avait faites là. Je les ai refaites du coup en off, et donc comme je vous disais, normalement vous devriez, je pense, la dernière fois on s'était quitté près de le... enfin sur cette île là, mais vous devriez réapparaître au camp, ouais. Normalement je vous ai mis du stuff dans le coffre, et il y a un chemin si vous voulez me rejoindre, il y a un chemin de cristaux pour me rejoindre directement si ça vous botte. Alors, dans le coffre, qu'est-ce qu'il y a comme Il y a un petit peu de stuff, et j'en ai gardé sur moi aussi, je suis pas revenu au camp. Il y a un tromblon. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas voir les capacités des objets tant qu'on les prend pas. Ouais, dans le coffre tu peux pas avoir d'aperçu, ouais, effectivement. C'est un peu fort mon casque. Voilà. Ah, mais j'avais encore mon moule à gaufre en épique. Normalement vous êtes pas totalement à poil non plus, hein. Ah, ici il y a des ennemis là. Alors, par où on te rejoint? Par là, C'est tout droit avec le... Hop là. L'objectif, c'était d'aller ici. Arrête dans 7 minutes. Ouais, ça nous laisse le temps de faire une île, je pense. Est-ce que vous, du coup, vous avez besoin que je vous donne un peu d'équipement ou c'était bon? Non, non, c'est bon. J'avais une catapulte à bombao épique de rap sur moi, si besoin. Ouais, mon arc est presque mort, mais je me sers très peu de l'arme de distance. Est-ce que ça t'intéresserait, toi, Chobiti? Éventuellement. Bah faut J'ai juste que tu pas nous de munitions rejoignes. pour la catapulte. Sinon on avance et puis tu finis ce que t'es en train de faire, Chobiti, je sais pas ce que tu fais. Ouais, je suis au camp encore. Allez-y. Ok. Bon bah j'active Bourdaf. Je... Ouais, ou je le fais si tu veux, comme tu préfères. Oh, je veux l'idée J'en ai pour encore 12, commencer. moi. J'en avais 8. Allez, go. Hop là. De toute façon, on n'est pas trop en déche de ressources, ça va. Hop là. Oh le fini, comme il m'a esquivé. Alors avant d'oublier, j'ai vu qu'il y avait un plan qui se cachait et juste derrière là. Hop là. Merde. L'échec ça. Alors ici c'est des débris métalliques, ça c'est très cool ça. Plein de débris métalliques là-bas aussi. Putain, il y a plein de petites merdes dans cette île. J'ai vu aussi passer un chien. Attention, ça va péter. T'as vu. Oula. Voilà. Dans le dos.
Dans la carcasse de bateau là qui est sur la terre ferme, il y avait un sac avec une arme dedans. Alors moi j'ai pris mon arme, mais peut-être que ça t'en a mis une. J'arrive. Tiens, il y a un petit peu de scotch ici. Dans le bateau? Ouais. Je vois rien a priori. Ah si, il est là. J'ai une main en mousse. Ok, très bien. Est-ce qu'il me reste un fond de café, mais... Complètement. Eh, il y a un petit tronc qui se cache ici. Il y a un beau niveau de corruption sur cette île. Hein. Ouais. Merde. Pas sûr qu'on ait le temps de la nettoyer complètement avant le... Oh, avant le raid. Aussi. Ici, il y a un plan. Alors, il y a un, sur le bateau qui est dans les terres entre les deux îles, là, il y a aussi une arme dedans. D'accord. Il faut une égide pour y aller. Ouais, je vais y aller. Toi, tu as pris la tienne, c'est ça, hein? Ouais, j'ai pris la mienne, ouais. J'ai un pistolet à clous. Je peux monter ou pas? Aïe. Petite enfoiré qui court partout, là. Oui, un dragor. Ouais, il y a un dragor, normalement, sur cette île. Eh bah, il est trouvé. Cool, 5% de vitesse de course, putain, toujours pas un truc offensif, c'est ouf. Hein. Allez, plus de 10 de niveau, j'en ai quelques-unes là. Ah oui, direct quoi. Bah, écoute, attention à pas nous faire passer de niveau juste avant l'attaque. Enfin bon, c'est pas hyper... Je viens de là encore de l'upgrader là. Ah. Bah écoute. On va éviter de l'upgrader encore. Je pense que c'est bon pour mon côté. Bizarre ces îles sous forme de plein de petites îles là. Alors si je voulais par exemple un relier, il faudrait que j'aille par exemple par ici. T'as pas trouvé d'autres camions par chez toi? J'ai pas trop fait gaffe aux camions, je m'intéressais plutôt à... Ah! Je suis plein! Ah! Alors, est-ce que je pourrais pas jeter des choses par hasard? Ça par exemple, on va lâcher ça. Ici. Parfait. Donc là, on a un petit chemin pour rentrer si besoin. Attends, j'arrive si tu veux, je vais te reprendre. Voilà. On n'a pas tout trouvé, je crois pas. Hein. Si, on l'a vidé là. Si, tu l'as. J'ai pas fait gaffe s'il y avait eu le message. Ouais, l'île est purifiée, ouais. Et t'avais dit qu'il y avait un truc dans le camion dans les terres. Alors attends. Dans ce bateau là, celui qui est juste là. Ah, d'accord. Je voyais pas le même, non. Entre les trois îles, ouais. Ok. Les quatre. Après, faut réussir à sauter en haut. Je passais par le côté de l'échelle, moi, ça passait. Ok. On va essayer. Tu sautes sur le petit rebord du bateau et après, ça passait. Voilà, un tromblon. Ah bah parfait. Bon, puis bah du coup on a un petit chemin de cristal pour rentrer. Normalement. Ouais, c'est bon.
J'en profite pour upgrader les barrières. Ouais, je les ai vus se construire petit à petit. Alors j'ai découvert un truc aussi qui peut-être vous sera utile, c'est que quand on est sur un chemin de cristal là, si vous touchez à rien, automatiquement il vous prend le chemin qui va vers la vers le camp. Ah. Je me suis dit que peut-être ça vous aiderait un peu. C'est possible. Je me demande pourquoi. Pourquoi t'as pensé à nous ? Comme ça, un réflexe. Il reste 30 secondes. Voilà, on va débloquer les trucs. Allez, c'est l'heure d'aller au poste de combat, les gars. Soigner un peu éventuellement. Mais vous mettez pas sur les. Voilà, vous descendez de là et vous chargez. Là-bas avec ses, avec les abeilles, c'est pas si mal. Merde. Ça y est, y a quelqu'un ici qui prend le truc. Bon, il commence à faire le taf là. Le temps qu'ils aillent au. Qu'ils aillent sur les trucs de défense, mais. Ça marche. Le dernier là. Putain de loup. Ouais, il a l'air casse-couille. Voilà, une flèche et tout, ça fait le taf. Exécuteur. Oh, ils vont le gérer. Il est où l'exécuteur? Parfait. Ah, il a le coffre. Un pistolet à clous. Du coup, on va même pouvoir. Non, pousse-toi de là, s'il te plaît. Voilà, c'est le bunker. Démonter un peu des bunkers et remplacer par des petites arbalètes des familles. Alors, je vais prendre. Ouais non, ça va faire un trou ici. Ça. Voilà, j'ai réapprovisionné la serre. Farpé. Parce que niveau bouffe, ça commence à être un peu juste. Bon bah si tu veux maintenant faire grandir des gens, c'est le moment. Ok, ok. Bon bah tiens. Hop là. Mais tout près quoi, aller chercher. Enfin, on va pas s'embêter, on va chercher Dragar qui est tout près. Dragor qui est tout près. Dragar c'est dans Guild Wars 2. Il y a autre chose sur cette île, des caches et un petit niveau d'invasion. Bon. Mais reviens toi. Oh, ils veulent absolument aller dormir. Non, grandis avant.
au taf, allez. Tu pourras aller en boîte comme ça. Je vous en renvoie un autre. ...5% de dégâts au corps à corps. Tu nous as pas fait de chemin avec les... ...un platinage ? Bah pour aller là, non, y'a rien à récupérer encore. Je vois pas pourquoi j'aurais fait le chemin. Je crois qu'il est augmenté au niveau max. J'ai pas vidé mon coffre, ça va quand même. Ça va le faire. Ah, il y a une note ici. Les ténèbres. J'ai vu les hommes aujourd'hui. Je suis maintenant une vieille femme comme je l'aurais été dans mon monde d'origine, mais eux se sont métamorphosés en monstres sinistres. Je peine à les reconnaître, ils ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. C'est comme si leurs infâmes croyances qui les empêchaient de voir ce que le monde a de bon les avaient dévorés. Comme si leur fiel intérieur avait déteint sur leur apparence pour afficher leur cruauté aux yeux de tous. Ils infectent ce monde comme une maladie que j'ai bien l'intention d'éradiquer. Tout un programme. C'est pas lui que je voulais. Là, il faut finir les ronces. Tourner sur toi-même. Cette voiture, je l'ai faite, non? La caméra, par contre, c'est des fois, c'est pas top. Là, elle fait un gros zoom flou sur les fesses. Oula, qu'est-ce que tu lui as fait? T'es en réveillant le dragor qui était endormi dans son lit. Ah! Effectivement. Allez, on termine avec cette île. N'oubliez pas de construire un petit peu d'équipement quand même. Hein. Je pense que il nous manquait de l'eau. Pas fini de leur donner tous mes cristaux, moi. Normalement, si vous construisez un truc d'eau que vous le reliez au circuit, ça devrait déjà être compensé au moins ça. Mais on a débloqué des nouveaux trucs aussi. Il y a rien de plus spécial. Oui. Ah, mais toi aussi, Chobiti, t'es sur ton île là. Je vois qu'il y a des camions par contre par chez toi. Ouais. Et il y a des sacs de sport, donc je vous attends avant de les ouvrir. C'est bon. Y a qui encore à augmenter ce moment-up ? Le camion, du bois. Flipper. De toute façon, je suis plein, donc il va falloir que je rentre. Bois et du tissu, très bien. Le chemin le plus court, c'est en plein milieu de la cambrousse au final. C'est un kiff kiff, plutôt celui-là quand même. Je te laisse nettoyer l'île. Ouais. Ok, jusque là-bas. Thank you.
Hop, ensuite jusqu'à la ronce là-bas. J'ai une saloperie qui a popé. Et après, c'est la terre ferme. Je vais donner un cadeau, lui. Est-ce que c'est bien, là? Parfait. T'auras un chemin pour rentrer, si tu veux, Chobiti. Parfait. Merci. Et du coup, nous, pour aller chercher l'équipement, si on veut. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en divertissement? Je pense que là, des jacuzzi, ça fera le taf. Hein. Les clous, on garde, ça on met, ça on rentre. Hop, hop, hop. Tas de feuilles. On va essayer de les... On va essayer de le coller avec les autres. Alors, où est notre petit chaudron? Il est là. Hop là. Voilà, ça fait toujours un peu de bouffe. Il nous faut du coup plus d'eau. Faudra peut-être une deuxième grosse serre, non? Normalement, on doit pouvoir s'en tirer sans. Niveau nourriture, on a débloqué quoi? Ah bah, on a débloqué le carré de citrouille. Ah bah, il faut juste des plans pour le carré de citrouille, et le carré de citrouille, il fournit autant de bouffe que la grosse serre, mais sans rien pour... en ayant besoin ouais. De rien, quoi. Du coup, il faut juste qu'on fasse le carré de citrouille et... devrait être pas mal. Ici. Ah oui, c'est vrai qu'après le sauna, il faut le relier. Du courant. Alors, je crois qu'il faut faire ça, hein, non? Voilà. Comment tu fais pour relier déjà? Faut que tu fasses X. Tu passes en mode inspection et t'as. Après, tu peux choisir relier, débrancher, brancher, etc. Ah, pourquoi il a grandi lui? Ah, t'as trouvé quelqu'un Oui, j'ai trouvé quelqu'un. Ok, je te vois, tu restes discrète. Et j'aurais besoin d'un point de passage parce qu'il y a un camion avec des câbles électriques. Ah, sur l'île où t'étais? Ouais. Attends, j'arrive. Voilà, l'eau est reliée. Alors, où est-ce que t'es ? Par là-bas. Où est ton camion ? Voilà. Il est là, mon camion. Je suis en train de y aller, de montrer. Ah oui, il est vraiment très mal placé. Hein. Ici, je vois... Ah non, si, ça doit faire ici. Je vois l'autre, là. Hop. Et hop. Oh, où es-tu, dernière ronce? Oh, tu es là. Donc. Où est-ce qu'on pourrait obtenir des plans? Ouais, bah soit avec des cadeaux, soit va falloir y aller à l'ancienne. Coucou toi, pas de données de... C'est quoi, vous voulez débloquer? Les carrés de citrouille. Il nous manque un plan. Bon, après, on a tellement de graines qu'on pourrait faire aussi une deuxième serre déjà. Allez, on va faire une deuxième serre.
pas non plus hyper cher. Il nous faut aussi un peu d'eau, on a débloqué. Ah, on a le nouveau le réservoir d'eau. Bah, je vais faire le réservoir d'eau plutôt. C'est plus intéressant. Ah, je sais pas si t'as vu, maintenant tu peux tous les mêmes types d'objets, tu peux les mettre tous d'un coup dans le dépôt. Par exemple, les cristaux. En appuyant sur V, tu fais déposer des cristaux, ça te renvoie tous les cristaux que t'avais sur toi. Déjà il me semblait ouais que c'était. J'avais jamais fait déjà, attention à ça. Normalement, ouais, tu peux. Hop là. Hop là. Commence à devenir un petit peu encombré tout ça. Bon, bah, du coup, j'ai ouvert les. Il y a un flipper ici, on peut peut-être le virer, ce sac. Il y a trois sacs ici. C'est de talisman. Donne-moi des talismans. Toi là, t'es gros. Fais-moi plein de talismans. Voilà. Hop là. Alors, toi. Voilà, ensuite au niveau flotte, cette arrivée d'eau n'est reliée à rien, c'est un problème. Là la note, Chubiti. Enfin, si tu sais, c'était bien ça que tu cherchais. Ouais, c'était ça que je cherchais. Alors, est-ce que j'ai de la bouffe ? Alors, page du journal de Noble Mason, le sort s'acharne. 3 semaines ont passé depuis que nous avons épuisé nos provisions, nos pièges ne donnent presque rien et la chasse encore moins. Les hommes sont épuisés, les plantes que nous trouvons semblent au mieux provoquer des diarrhées. La nuit dernière, poussé par la faim, le muel a ingéré une grande quantité de baies et de champignons locaux. Il s'est éteint quelques instants plus tard, la peau noircie. Nous avons toujours associé la botanique à la sorcellerie, je suis prêt à remettre cela en question, maintenant que j'ai été contraint d'avaler le lacet de mes bottes. Et ouais, comme quoi hein. Et voilà, on est pas mal comme ça. Oula. Il y avait oui. Des petites armes. T'as vu qu'il y avait des petites armes ? Là sur la plage, ouais, j'ai pris les jaunes. Ouais. J'ai laissé les restes. Ouais, bah oui, bah de toute façon, je me suis vidé parce que j'avais des trucs non jaunes. Ah, ça y est, on est plein. Du coup, ici, on va renforcer un petit peu parce que c'est un peu faible. Ça commence à être gigantesque. De quoi le camp ? Ah bah ouais. Il faut ce qu'il faut. Ouais. Au moins on est stable au niveau des ressources. Ouais, normalement là j'ai
construit tout ce qui valait. T'es obligé de déconstruire les barrières pour les remettre en pierre, c'est ça? Ouais, tu dois, t'es obligé de les déconstruire, ouais. Tu peux pas les mettre à jour, hein, c'est pas considéré comme une mise à jour. T'as un cadeau toi, donne ton cadeau. Mais oui, il est bon le homard, mais donne ton cadeau quand même. Une kyanique runique. Bon, j'aurais préféré un plan, mais c'est toujours ça de prix. Dépouillé. Il est un peu en bordel le pauvre. Alors niveau équipement, on a quoi? Niveau arc. Il est au milieu des jacuzzi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça continue en tout cas de vous intéresser. On s'achemine, je pense, doucement vers la zone prochaine. Je ne sais pas combien il nous reste à récupérer de Dragor ici. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye.